Liguria et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies du 22 décembre 2022. Et on va y aller, je ne sais pas du tout si ça va encore couper, mon ordi va encore couper ou pas, donc je vais faire un tirage, un autre tirage avec à adapter à votre problématique à vous. Parce que je ne sais pas du tout, j'ai un problème de mémoire, j'ai encore, je dois encore télécharger plein de vidéos, c'est ça. Et donc, ouais, on va y aller direct avec le 7 d'épée et la reine de coupe. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a, je pense qu'il y a des sentiments qui vont être remis en question. On a une espèce de... une certaine déception par rapport à un vol ou par rapport à une tromperie que vous avez commis ou que quelqu'un a commis. Donc j'ai ici des sentiments un petit peu de révolte par rapport à quelque chose que l'on vous aurait pris. Et en même temps, il y a une personne qui va vous... C'est comme s'il y avait une personne qui va vous remettre... qui va vous pas remettre les idées en place, mais qui va vous expliquer que ça ne sert à rien de se prendre la tête, etc. etc. Donc voilà. Allez, donc moi ce que je vais faire ici, on va faire la situation. Comment est-ce que je fais le tirage? Ne pas perdre du temps, là je suis en train d'en perdre. Ok. Allez, on a les énergies donc pour cette journée. On a le 6 de bâton, le 6 de coupe, la force, l'as de coupe, la reine de coupe, l'empereur et le 9 de bâton. Dos de deck, le 10 de bâton. Donc déjà, on peut dire que je fais donc une vidéo plus rapide pour être sûr que... essayer qu'elles soient enregistrées complètement. Donc, on a ici vraiment, ça va être une journée de remise en question. On va vraiment se remettre en question. On n'a pas... On a la victoire. On a la victoire, on a une demande, on a des comme une demande en mariage, on a une passion, on gagne quelque chose, on revient victorieux, on a peut-être le oui de notre demande en mariage, on a en tout cas on rentre victorieux d'un endroit, pas spécialement d'une bataille, mais on rentre victorieux. On rentre avec des succès, on rentre du succès, on rentre avec les honneurs. Il est possible, attention, qu'il y ait une rivalité. Donc ici, ce 6 de bâton, il nous parle de mariage. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise. En tout cas, aujourd'hui, les énergies vont se concrétiser. Avec le 6 de coupe, on a... ça va nous parler ici peut-être de l'âme sœur, de la flamme jumelle. Mais en tout cas, ça va nous parler d'une personne du passé qui pourrait aussi revenir... avec qui on pourrait convoler, du coup. Une personne du passé qui pourrait revenir. En tout cas, c'est un amour partagé, du coup. Un amour partagé. Avec la force qui est sortie à l'envers, mais... Vous n'allez pas être en état de maîtriser vos émotions, j'ai l'impression. Vous allez un petit peu être un peu perdu. Tout ça à cause des sentiments et des émotions qui sont en train de venir. On a la passion, on a les émotions, on a les sentiments. Vraiment, hein, j'ai du bois, des bâtons, les coupes. Donc les coupes, c'est les émotions, les sentiments, l'amour. Les bâtons, c'est la passion, c'est la création. Donc vraiment, il y a des choses qui bougent très vite. On a ici un amour qui commence. Alors, oui, j'ai un amour qui commence. J'ai
il y a un amour, il y a vraiment des énergies de très grande passion. Pour moi, il y a une personne dont vous êtes amoureux. Et quand vous voyez cette personne, vous ne savez plus qui vous êtes même. Donc vous perdez un petit peu vos moyens. Et pourtant, vous savez que vous devez vous reprendre. Vous savez que vous devez vous reprendre, mais c'est plus fort que vous. Il y a des émotions, il y a vraiment une attraction incroyable. Donc, avec la reine de bâton et l'empereur, on va essayer peut-être de nous remettre un petit peu les idées en place. Mais ça ne va pas être facile. Donc, on pourrait dire que l'empereur, c'est une personne qui a une certaine puissance. Ça peut être votre papa. Mais je pense que lui tout seul, là, il saurait pas. D'ailleurs, vous êtes sur la défensive. Hein. Vous êtes sur la défensive ici. Vous vous attendez à ce qu'on vous dise, mais non, il est revenu. Ne retombe pas dans le piège, etc., etc. Ce sera plus fort que vous. Vous n'arriverez pas à tenir tête et à tenir bon. Maintenant, il est possible. Oui, il est possible. Ici, on est à la fin des épreuves. Il me semblait que j'avais vu une carte. Donc, on est à la fin des épreuves. On va poser son fardeau. Ça veut dire que soit vous allez vous rendre compte que la personne n'est pas bonne pour vous, finalement. Quoique moi, j'ai des énergies très positives ici. Mais admettons que la personne ne soit pas bonne pour vous. Parce que je n'ai pas vraiment un amour partagé ici. J'ai l'as de coupe. L'as de coupe, c'est on tombe amoureux, c'est un nouvel amour, un nouvel emploi, un nouveau. Mais le 2 de coupe, oui, c'est partagé. Mais je n'ai pas le 2 de coupe ici. Je ne l'ai pas. Donc voilà, il faudrait. Si il y a. Alors, ça peut être une personne, ça peut être autre chose. Donc peut-être que quelque chose va revenir dans votre vie. Et ce quelque chose qui va revenir dans votre vie va se représenter. Veillez à ce que ce qui va se présenter à vous vous apporte autant à vous que ce que vous allez apporter à cette personne ou à ce travail ou voilà. Vous voyez, vous allez peut-être, il y a peut-être, c'est pas normalement, c'est une personne ici hein, qui va arriver, mais on va dire si c'est un travail qui va vous passionner, que vous aimez beaucoup. Et vous allez voir que vous n'allez pas être capable de refuser ce travail parce que c'est vraiment quelque chose que vous aimez bien. Mais de nouveau, vous risquez, de nouveau, puisque vous êtes seul, à aller aimer ce travail. Je dirais, il ne vous le rendra pas, ce travail. Et donc, vous allez encore perdre du temps, encore. Ça ne va vous mener à rien. Donc, voilà, soyez vigilant. Soyez vigilant. Ok. On a quand même l'as de bâton, je voulais le recouvrir avec l'as de bâton. Enfin, je voulais le recouvrir. Et l'as de bâton, c'est le début d'une passion. C'est encore. Oui, c'est le début d'une passion. C'est quelque chose de nouveau. Donc peut-être que c'est la création aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait être nouveau. Oui. Et puis on a le monde. Donc, donnez quand même. On a le monde inversé. Donnez quand même une chance à ce qui va vous arriver. Donnez quand même une chance si c'est ce que vous désirez. Mais soyez quand même vigilant. Soyez quand même vigilant pour ne pas tout abandonner pour rien. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Oui. Ne donnez pas trop, ne soyez pas non plus trop dans le. Ne soyez pas trop large, ne soyez pas trop large. Soyez raisonnable, modérez vos transports. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. On a des énergies de féminine. Oh! Si c'est d'une relation qu'il s'agit, il est possible que ce soit une relation réelle qui va pouvoir peut-être se développer.
J'ai le roi de coupe. Si, ça, il est possible que peut-être que vous aimiez une personne qui ne vous aimait pas et que là, la personne revienne et que maintenant, la personne, ses sentiments aient changé. Ça, c'est possible. Les sentiments peuvent changer. Et maintenant, la personne va vous aime, on va dire. Donc, c'est très possible. Du coup, allez-y. Mais restez quand même vigilant. Elle tient toujours là. Restez quand même vigilant. Oui. On a la carte du pendu et la carte de tempérance ici, donc. Et le 2 de coupe. D'accord. Donc voilà, un amour partagé, c'est très très possible. Donc un couple qui se forme. Alors si vous êtes seul, célibataire, ou voilà, ou si vous vous sentez seul, il est possible qu'il y ait une personne qui vienne dans votre vie et qui vienne vous apporter du nouveau. Même si vous êtes en couple, peut-être quelqu'un qui va vous apporter du nouveau. Maintenant, je dis quand même, soyez quand même vigilant, faites quand même attention. Voilà. En tout cas, beaucoup d'énergie ici d'amour qui est ressortie, les énergies qui sont ressorties, et aussi quelque chose de nouveau qui pourrait aller vraiment aller sur du long terme, et que ce sera très positif. J'ai l'ermite, la roue de fortune à l'envers et l'étoile. Vraiment, peut-être quand même, ne soyez pas complètement fermé à l'écoute de ce que quelqu'un pourrait vous dire, un sage. Vous allez recevoir là, j'ai la roue de fortune et j'ai le page de Pentacle. Donc, je pense vraiment que vous allez recevoir des messages d'amour, effectivement. Bon, voilà. Alors. Un message d'amour en tous les cas. On va vite. On a beaucoup parlé d'amour, donc je n'ai pas besoin de refaire un tirage. Du coup, on va faire un oui ou non avec le Gilded Rêverie. Et on y va pour les 13 cartes. J'espère que ça ne va pas couper. Et que ça fonctionne, hein, que mon micro fonctionne aussi. Oh. Voilà. Bon. Allez. Oui ou non. On coupe. Le cavalier et le bouquet. Ni oui ni non. Oui avec l'anneau. Non avec la croix. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est non. 13. C'est non, les amis. Voilà, l'anneau était bien plus loin. Voilà. Bon, écoutez, je vais la faire pas plus longue parce que j'ai peur que ça coupe encore. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle journée. On s'approche de Noël. Bisous.